Nous sommes le 20 mai 2023 sur les terres du trail du Saut du Doubs. Nous nous rendons au départ du 21 kil. Voilà le profil. La famille accompagne. Jess est là. Il fait bon, un peu frais, mais il fait bon. Donc on se réjouit. 21 kills dans nos forêts préférées. C'est parti. Tu m'attends un peu. Garçon là. Excuse-moi. J'essaye déjà de blesser les adversaires. Bah ouais, écoute, on fait pour gagner. Pour gagner deux rangs. Alors on prend le chemin des poussettes. C'est bon ? Merci. Merci. Le deuxième plan, waouh, la course. Oh, bah, les bois. Je savais pas que c'était une zone de silence. On attaque la montée du Châtelard. On a à peu près 2 kills de montée. Assez régulière. C'est notre grosse première montée. Et puis on aura une pause en haut avec le ravito du 5e kill à peu près. Ça c'est le dernier bout raide avant le ravito, mais il est bien raide. Oh, il y a même l'ambulance. Bonjour. Oui, c'est juste là, nous. Nous nous ferons passer par le point de vue du Châtelard. C'est cool. Merci. Bravo. Merci. Donc nous, on était partis par là avec Noémie. Je me réjouis de voir où ils nous font aller. Parce qu'on n'avait vraiment pas trouvé. Alors, avec Noémie, il n'y avait ni ce chemin, ni cette ouverture. Cool. Ouh. Eh ben, il est trop cool ce petit sentier. Noémie. Ça va ?
Maintenant, tu me fais grave. Oui. Parce que c'est ton mec. Merci. Je te filme au cas où. Et tout à coup, non, mais je fais pas deux fois. C'est jamais sec. En fait. Non. Et t'as vu, le balise ici, hein, quand même. Ouais, bah. Ouais. Mais comme c'est beau. Alors on a 8 500 km. On se rapproche du passage vers la Suisse. On vient de croiser une blessée. Visiblement, c'est la cheville. J'espère que c'est rien de trop grave. Elle avait déjà du monde qui s'occupait d'elle. Décale s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Ah, c'est tout bon. C'est bon, c'est tout bon. Ouais, ouais. Bonne course. Merci. Allez, courage. Merci. Ça va bien. Merci. Attention au niveau du chargeable jaune, ça glisse énormément. Ok. Allez, c'est gentil, merci. Allez, merci. Attention, ça glisse. Hein. Ouais. Merci. Allez, bravo. Merci. Ben, les bâtons nous manquent. Donc là, on est au presque 11e kill. On est dans la montée pour les Roches de Moron. Ça tire un peu, quand même. Que c'est long cette montée. On arrive. Alors en fait, on arrive au bout que j'oublie tout le temps. Ouais, ouais. Pas la forêt. C'est déprimant. Et chaque fois, hein. Chaque fois, moi aussi, je reconnais la forêt. Mais non. Voilà, on est dans la forêt. Donc là, ça veut dire qu'on est bientôt aux Roches de Moron. Allez, mangez une glace. Mangez une glace. Allez, allez. Merci. Et là, il n'y a pas la voiture. Allez, chouchou. Dernier mon chien. Salut. Dernier où? Faut que je t'écrase. Salut loulou. Salut. Merci. On est en sécurité ici. Ouais, c'est bon.
Merci. Non, pas là. Oui, je vais te laisser passer aussi. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Descends, tu mettras tout le monde. Oui, mais tu vas plus vite. Oui. Bonne suite. Oui, oui. Ça marche. Ouais. Merci. Ah ouais, merci. Ici, c'est un endroit où on arrive aux escaliers avant la grotte des faux monnayeurs. On les prend souvent parce que c'est vraiment des petits escaliers qu'on adore, un coin qu'on adore. Traditionnellement, on va tout droit et puis on arrive sur le saut du Doubs côté suisse. Mais là, la course nous fait prendre à gauche dans un joli petit sentier dans des gorges. Là, c'est pas possible d'aller plus vite. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé plus puisque les batteries de la GoPro m'ont lâché. J'ai gardé pour le final. Alors, j'ai fait des photos avec mon téléphone. Là, c'est la tête de Calvin, mais vue du côté France. On n'a pas l'habitude, nous, donc je trouvais chouette de prendre. Et puis ça, ce sont les photos de Vincent. Il est venu sur la course nous prendre en photo. Et non seulement il a pris les photos, mais il est retourné à la voiture, il a pris nos sacs et il est venu nous attendre sur la ligne d'arrivée. Alors définitivement, nous ne faisons pas le même sport. Merci. 200 mètres. Ça tient. Voilà, mais c'est la fin d'une super course. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à courir sur ces sentiers. Je suis toujours impressionnée de voir comme c'est des passionnés qui nous font les trajets de ces courses parce que on voit qu'ils ont envie de nous montrer en fait tous leurs petits sentiers les plus beaux sur lesquels ils aiment courir et ça se ressent. Une super ambiance. Bravo à l'organisation du Trail du Saut du Doubs. C'est toujours un plaisir de venir courir sur vos terres. Et puis bravo à tous les coureurs et un grand, grand, grand merci aux bénévoles.